Bonjour, je m'appelle Hervé Dignard, je suis chargé de projet aux politiques en éducation des adultes à l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Je travaille là depuis 5 ans. Je suis notamment responsable de la mise à jour et de l'actualisation de la démarche Nos compétences fortes, qu'on appelle communément NCF. J'ai aussi développé une certaine expertise dans toute la question de la formation en milieu de travail, autant pour ce qui concerne comment développer une culture de la formation que plus récemment sur la question de l'ingénierie de la formation, comment organiser une activité. Ces différentes expertises-là m'ont amené à me questionner, entre autres choses, sur la notion de compétence et comment elle s'applique à un adulte en général. Il y a Nos compétences fortes qui est une démarche qui pourrait s'appliquer autant avec des compétences génériques que n'importe quelle autre compétence. Parce que la démarche Nos compétences fortes, son originalité, puis ce qui fait qu'elle fonctionne, c'est que c'est une démarche de reconnaissance et d'auto-reconnaissance de groupe. Autrement dit, c'est au sein d'un groupe, moi je dis ben j'ai telle et telle compétence et je les ai pour telle et telle raison, je motive ce qui me fait croire que j'ai ces compétences-là, j'explique dans quelles conditions je les ai utilisées pour obtenir quel résultat, puis les gens autour de la table reconnaissent que ma démonstration a une valeur et donc j'ai cette connaissance-là. Bon, ça a été appliqué, nos compétences fortes, ça a été développé pour reconnaître des compétences génériques, parce qu'en règle générale, les compétences spécifiques, on peut les reconnaître de façon plus formelle avec des outils qui existent déjà. Quand on pense à tous les outils qu'il y a dans les différents systèmes de RAC, pour ce qui est des compétences génériques, quand on parle du sens de l'organisation, par exemple, c'est un petit peu plus dur de reconnaître ça de façon formelle. C'est pourquoi la démarche Nos compétences fortes a été en quelque sorte développée. Et la faiblesse de cette méthode-là, si on veut, c'est que ça demeure une méthode de reconnaissance qui est non formelle, dans le sens où on ne peut pas nécessairement avoir une validation, une sanction du fait que je possède le sens de l'organisation. Ça demeure la sanction qu'on a, c'est la sanction du groupe auquel on appartient. Donc, les compétences génériques, en général, ils ont été traités par l'ICA pour justement faire en sorte qu'une personne puisse mettre à profit ses expériences de vie. À la base, nos compétences fortes ont été développées pour une clientèle d'adultes peu alphabétisés qui avaient des expériences de travail peut-être plus limitées, okay, et qui, quand venait le temps de se trouver un emploi, c'était plus difficile pour eux autres. Donc, les gens qui ont conçu nos compétences fortes sont partis du fait que ces personnes-là avaient, veux pas, développé différentes compétences dans les autres sphères de leur vie, et puis que ces expériences-là pouvaient être exportables dans un milieu de travail, dans le sens où elles étaient représentatives de la maîtrise d'une compétence. À la base, dans le premier référentiel de nos compétences fortes, il y avait 13 compétences. Là-dedans, on retrouvait des compétences aussi diverses que le sens de l'organisation, le sens de l'observation, la minutie qu'on pourrait appeler aujourd'hui dans le nouveau référentiel le sens du travail bien fait. Il y avait aussi la créativité. Donc, dans le nouveau référentiel, on a ajouté d'autres compétences. On est passé de 13 à 23 compétences génériques, de façon à ce que le référentiel comme tel soit représentatif d'une plus grande diversité de la population. Qu'on ne s'adresse plus spécifiquement à des adultes peu scolarisés, mais qu'on puisse s'adresser à des adultes d'autres milieux.